Que le Seigneur soit loué, sa gloire et son honneur lui soient rendus. Le thème de ce soir, de cette veillée, est « Mon temps est arrivé. La promesse s'accomplira certainement. » Tu peux te dire toi-même, « Mon temps est arrivé. La promesse s'accomplira certainement. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre maintenant les versets qui vont nous accompagner à l'édification de cette prédication de ce soir. Alléluia. De cette nuit, je voulais dire. Galates 4, 1 à 7. Galates 4 encore, 8 à 11, je l'ai tout simplement scindé en deux. Normalement c'est 1 à 11, mais comme la parole ne s'explique pas de la même manière, je l'ai scindé en deux. 1 à 7 c'est une autre chose, 8 à 11 c'est aussi autre chose. Nombre 28. 16 à 25. Nombre 28. 16 à 25. Nous allons prendre encore les livres de Lévitique 16, 17 à 19. Nous passons au livre d'Hébreux 9, verset 10. Romains 8, verset 3. Nous allons revenir encore à Galates 4, verset 4. Premier Jean 4. 1 à 3, 1 Jean 4, 1 à 3, Zacharie 2, 8 à 11. Et à la fin, j'ai dit, je vous aime. 2, 8, 11. Zacharie 2, 8 à 11, je vous aime. Que le Seigneur, le Consolateur, nous délivre du péché. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant entrer dans la profondeur de la parole pour essayer de comprendre ce que Dieu a voulu nous enseigner ce soir. Dans le livre des Galates 4, 1 à 7, j'ai lu au nom du Seigneur. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des titeurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Est-ce que vous comprenez cette chose-là? Alléluia! Est-ce qu'on se comprend? Tout ça qu'on comprend de Nengeli Rubelengoloba. Alléluia. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des titeurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Tant que tu es encore
mineur. Tu es sous-tuteur de ton père. Tu es immature. Tu ne peux plus, tu ne peux pas de toi-même prendre des décisions pour ta vie. Alléluia. Amen. Dieu nous accompagne depuis un certain temps qu'on est en train de comprendre, de suivre les enseignements, d'écouter la parole de Dieu. Mais est-il que souvent, nous ne comprenons pas certaines choses. Mais il y a un temps que le Père lui-même a fixé pour toi. Alléluia. Amen. Il y a un temps que le Père verra que non, mon enfant, ah oui, il a grandi. Mon enfant est majeur. Maintenant, je peux le laisser libre. Il peut maintenant aller faire les courses dehors. Alléluia. C'est comme ça que Dieu nous prend aussi. Plus nous écoutons la parole, plus il comprend que non, c'est les paroles qui est en train d'être sémées dans la vie de mon enfant. Cette parole-là donnera de fruits. Alléluia. Lorsque cette parole que tu as sémée aussi longtemps que ça peut être, tu peux être comme la Bible le dit, tu peux être enfant, mais tu es prince, mais tu es toujours sous tutelle de ton père, d'un administrateur. C'est celui qui te gère. Alléluia. Mais nous allons aussi demander aussi à notre Dieu, au Père. Aujourd'hui, nous avons grandi. Est-ce que nous avons la capacité de dire que non? Aujourd'hui, moi, j'ai grandi, donc je vais être libre si le Père ne t'accorde pas la liberté. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Tout ça comprend en gros? Alléluia. Amen. Mais nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Et parce que vous êtes fils maintenant, alléluia, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce de Dieu. Alléluia. Donc nous comprenons quelque chose aujourd'hui. Dieu nous appelle pendant que nous sommes encore dans l'adoption, pendant que nous sommes encore enfants, nous sommes considérés comme des immatures. Alléluia. Plus nous progressons, plus nous avançons, plus que nous accumulons la sagesse, l'intelligence, la connaissance, c'est à ce moment-là, Dieu pourra nous dire, voilà, maintenant cet enfant-là, il n'est plus enfant, il est devenu adulte, il est devenu sage, il est devenu mature. Je peux l'appeler maintenant fils. Alléluia. Amen. Pour que Dieu t'appelle fils, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le passage de l'enfant au passage du fils. Pour que Dieu te fasse confiance maintenant. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend? Dieu voudrait te faire confiance. Il veut que c'est mon fils, c'est-à-dire que mon héritier. L'héritier ne trahit jamais. Alléluia. Amen. L'héritier ne trahira jamais. Parce qu'il sait, si aujourd'hui, mon père n'est plus là, c'est moi qui hériterai toute sa fortune. Donc, il ne pourra jamais te trahir. Donc, la confiance. Dieu voudrait que nous ayons confiance. La confiance. Alléluia. Amen. On est enfant, mais on hésite. On est enfant, on ne respecte pas les rudiments, ce qu'on dit les rudiments du monde. Alléluia. Nous vivons sous les rudiments du monde. Makambuya mokili, ce que le monde nous exige. Nous, au lieu que tous soient nets, il est l'autre, tous le baboué. Mili bakwaoué rabamo. Mais à cette heure-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Ils dorment, tout simplement. Ils dorment.
Parce qu'ils ont préféré de dormir au lieu d'écouter la bonne parole. Alléluia. Qui peut leur permettre aussi d'avancer et d'être appelés fils de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si tu es devenu fils de Dieu, alléluia, qui peut encore te toucher? Personne. Alléluia. Amen. Le mercredi dernier, nous avons dit, entre l'enfant et le fils, si vous prenez un neveu, vous le gardez chez vous, et votre fils, vous mettez la nourriture dans le frigidaire, oui. Et vous n'êtes pas là. Et vous allez remarquer que le fils ne demandera même pas. Ouais. Il dit tout simplement, le papa a acheté la nourriture et il a fait des courses, il a mis dans le frigidaire. Il n'hésitera pas, il ne demandera même pas. Il dit que c'est mon père, donc je vais aller ouvrir et prendre. Mais le neveu qui est là, il sait, il pourra aussi aller prendre aussi, ouvrir aussi le frigidaire, mais il va regarder ce qu'il va prendre dedans. S'il prenait ceci, l'oncle va se fâcher. Ou la tante va se fâcher. Donc, je vais essayer de demander au père, alléluia, ou à la tante, ou au tonton, si je peux prendre, alléluia, quelque chose dans le frigidaire. C'est ce que Dieu voudrait, que nous devenions fils de Dieu. En devenant fils de Dieu, donc nous avons maintenant la capacité de recevoir toutes choses à son nom. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Galates 4 maintenant. 8 à 11. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Alléluia. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui connais déjà la parole de Dieu, toi qui tiens maintenant une connaissance, toi qui as gravi maintenant les échelons, tu es maintenant au-dessus, tu connais maintenant le bien et le mal, tu connais que Dieu est ton père, tu peux l'appeler maintenant père et il t'appellera fils. Comment à ce niveau-là, tu dois comprendre la parole de Dieu et à ce niveau-là, tu dois encore revenir encore à tes anciens amours qui étaient encore l'amour du monde. Alléluia. La Bible nous dit, vous serviez autrefois des dieux, des petits dieux, les dieux. Ce n'est pas seulement les statuettes que nous voyons, mais non, les habits, les petites choses de la vie, ce qui nous amène à oublier Dieu, des petites choses-là. Parce que la priorité, c'est quoi? C'est de devenir enfant, devenir fils de Dieu. Ce que tu as fils, c'est-à-dire là où le Père est, toi aussi, tu y es. Là où tu y es, le Père aussi est. Alléluia. Amen. Puisque tu connais maintenant le Père aussi te connaîtra. Alléluia. Amen. Voilà maintenant ce que tu pourras avoir comme honneur, comme grade, comme élévation. Parce que tu es le fils du roi des rois. Tu es le fils des seigneurs des seigneurs. Alléluia. Amen. Quand tu vas dans la parole, tu vas des enseignements, ne recule plus, allez-y de l'avant. Ne revenez plus derrière, parce que la Bible nous dit, celui qui met la charrue avant le bœuf, celui-là est inutile pour le royaume des cieux. Alléluia. Tu ne peux pas ôter la charrue avant le bœuf,
Mais chérie, on a choqué Zongissima. Et au bout, et au final, un peu. Moyen, ok, de l'ébosso, les athées. Alléluia. Amen. Donc, il faut qu'on kende que l'ébosso. Quoi qu'il en soit, la vie n'est pas facile. Il y a des choses qui arrivent, mais toi seulement, crois. Crois à la parole de Dieu. Continue de suivre les enseignements. Continue de suivre la parole de Dieu. Crois seulement à la parole. Alléluia. Il faut chercher à avoir un but. Dans tout ce que tu fais, il faut avoir un but. Dans l'église, je vais à l'église pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Pourquoi tu vas prier? Pourquoi tu veux écouter la parole de Dieu? Quel est le but? Qu'est-ce que tu cherches dans tout ça? Tu dois avoir un but. Quand tu as un but, tu dois poursuivre pour arriver à ce but-là. Alléluia. Amen. Parce que plus tu avances, plus Dieu aussi dit, ah oui, il est capable que je puisse lui donner l'héritage de ce qu'il est en train de chercher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Nombre 28, 16 à 25. Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois sera un jour de fête. On mangera pendant 7 jours de pain sans levain. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en holocauste à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu. Deux jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile. 3/10 pour un taureau, 2/10 pour un bélier et 1/10 pour chacun de 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ce sacrifice, outre l'holocauste du matin, qui est un holocauste perpétuel. Vous les offrirez chaque jour, pendant 7 jours, comme l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. On les offrira outre l'holocauste perpétuel et la libation. Le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez les camos où Jésus est là et il a rabat dans Zambé? Dans l'ancien temps, Nathan Mouyakala, Maman Doris. Nathan Mouyakala, pour Nanzambe a agréé yo. Et ça a sacrifice au Kosala. Pendant 7 jours, chaque jour, on a dit la Nzambe, Eloko Moko, Taba Moko, Makila, on a Kosopayango, on a dit Nazo Sopa Makila, Oyo, et ça a fouta, Banyomonanga, Nazo Fouta. Chaque jour, pendant 7 jours, Alléluia. Amen. Et puis pendant 7 jours, on sait leur ôter. On sait leur morter. Donc, yom on consacré 7 jours wana pona au salé là, ba sacrifice na ba offrande ya Nzambe. Et ça qui passe, hein? Et ça qui passe, hein? Alléluia. Amen. C'était dur. Tu ne peux que faire ça parce que tu as péché pour demander le pardon. Tu dois passer par là. Pour demander quelque chose, tu dois passer par là. Tu dois faire des sacrifices pendant 7 jours. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, regardez ce qui t'arrive. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, t'as moi qu'à l'aider pendant 7 jours. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Dans le livre Lévitique 16, 17 à 19.
Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il rentrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Alléluia. Tango ya kala. Dans l'ancien temps, maman Marie est née. Tango ya kala. Et ça a été un Josué. Na bana na ekaka ne bazalaki na droit ya okene opesi yeni tabana yo ake abomi yango ake asopi yango na likolo na nini na nini na chair esika oyo babaki basalaka sacrifice d'expiation ezali na mutu zute yo zawana do fani na libanda bake osambela yo. Alleluia. Amen. Tawana ezali akala. Ma caméra sous balance ça est là yo. Il y a mon besoin de ligner parce que ma douceur cocotte. Je vois un zambé à quitter ça qui est ma bino. Bien au courant de la séduction dans la tête. Madame Nazoa, bah lévitique pour la basse salaire. Alléluia. Amen. Et là on a dit bah juste pasteur. Amen. Mais la bino mi kumba wana. Alléluia. Amen. Ma caméra mi kumba na bino. Où est le problème n'est? Il est sur quoi Dieu en gros? À qui est-ce que devant pendant d'un coup dans Zambé assemblé le lieu pour dans Zambé alors que l'homme a. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'était l'ancien temps. Aujourd'hui je dis ceci. Je le répète encore. Mon temps est arrivé. Amen. Car la promesse s'accomplira certainement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Alléluia. Amen. Alors qui peut être choyé, hein? Alors qui bien, Bozé là est le retour. Il y a son bar à rien. Mais bien le Bozo est là. Et bien, ça là, ça que vous soyez là, pour la yé, mon con. Pour la na pour la yé, et puis pour la bine, on y a surtout. Est-ce que se comprend? Mais c'était dur. Parce que au monde, on a dit, jamais on peut taper dans l'église. Tu ne peux pas entrer dans une église. Tu ne peux pas entrer dans la tente d'assignation. Est-ce que vous avez dit, Zambé, il y a un solo, il y a un Zambé, il y a un Zambé. Mais là, aujourd'hui, c'est permis, l'église dans la porte est ouverte. Tout le monde peut y entrer, peut venir prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est grâce à qui? Alléluia. Amen. Grâce à qui? À Dieu. Ah, Bananzambé. Grâce à Jésus. C'est grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons arriver. Alléluia. Amen. T'es moi Kala. Toi, tu ne pouvais pas. Et si Kamosan Nanzambé a salué, tu ne peux même pas l'approcher. Alléluia. Amen. Tu donneras ta requête. Et c'est lui qui s'en occupera et priera pour toi. Mais aujourd'hui, on vous appelle. Venez à la veillée. Nous allons prier, nous tous. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons demander la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Alléluia. Amen. Mais il y en a d'autres qui sont encore retournés. Retournent encore au rudiment du monde. Alléluia. Oh, ils allaient facile à ressortir à Tolingi à monter. Tolingi, oh, ils allaient difficile. Nous devons toujours comprendre Tolingi. Il y a mon aise à Zambé. Oh, il y a facilité Tolingi à monter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je poursuis. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang, du taureau et du bouc. Il la mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause de l'impureté des enfants d'Israël. Alléluia. Connais ça qui sept fois. Yo moko, osos sambela. Yo moko, osos sala sacrifice.
Tu es seul à faire le sacrifice. Pendant 7 jours, tu dois consacrer chaque jour, un taureau, un bélier, et des moineaux, tout ce que tu peux avoir comme sang pendant 7 jours. Mais là, maintenant, regarde maintenant. C'est maintenant le sang de toutes les offrandes que vous apportez au Lévitique. Lui, il trempe son doigt. Et puis, il fait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alléluia. C'était comme ça. C'était des pratiques. Aujourd'hui, on regarde encore traditionnellement. Il y a encore des gens qui le font. Toujours mon ango. Toutes ces pratiques-là, nous voyons. Babouri Soso, allez. Allez-y chez les vaudous, vous allez voir. Ils les font. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous sommes rachetés. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de quelqu'un m'a racheté. Amen. Le sang de quelqu'un m'a sauvé. Le sang de quelqu'un m'a libéré. Le sang de quelqu'un m'a donné quelque chose. Le sang de quelqu'un m'a ouvert les yeux. Le sang de quelqu'un m'a donné la force, la puissance, le pouvoir de parler et de chasser les démons et de guérir les malades. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Hébreux 9, 10. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Alléluia. Amen. Est-ce que tout ça on se comprend? Tangouana, oh, traditionnellement nous voyons encore. Oh, yela masanga mila. Alléluia. Yela masanga ya mila. Masanga mila ne reçoit pas. Wapi Liboso. C'était un temps juste pour réformer. Collègue Sake, tant que maintenant, toujours passé na vitesse, supérieure. Alléluia. Amen. C'était juste des pratiques pour dire que bientôt il y aura quelqu'un qui va nous rejeter. Bientôt quelqu'un il va venir pour nous dire maintenant ça suffit, je vous prends en charge. Alléluia. Alléluia. Amen. Romains 8, 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. Tellement que nous avons pratiqué, nous avons fait des choses, des choses qui nous ont rendus impurs. Alors il fallait que le Seigneur vienne. Jésus-Christ de Nazareth arrive encore dans la même chair que nous, la chair impure, pour que le corps que nous possédons s'échange en un corps spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. S'il n'avait pas pris ces corps-là pour transformer son corps en corps spirituel, donc restant corps charnel, on serait toujours dans le péché. Et on serait toujours impur. Alléluia. Amen. Donc nous n'allions pas aller. Nous n'allons pas avoir, alléluia, amen, l'accès au trône de l'Éternel à cause de notre impurité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Si j'étais à votre place, amen, qu'est-ce que j'allais dire? Amen. J'allais dire un grand amen. Amen. Parce que des choses comme ça, ici c'est le béni de Bethel. Là où
bongo ya motu. Là où mémoire ya moto et fungwa maka. Réveille ta conscience, réveille ta mémoire. C'est ici na béni de Bethel. Alléluia. Toutes ces choses n'étaient que des pratiques. Alléluia. Amen. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est à cause de nos péchés. C'est à cause de ces corps charnels, de la chair que nous avons, la chair impure, que Dieu nous a rachetés. Il a racheté ces corps lâches, charnels, impurs, pour le vêtir d'un corps spirituel. Alléluia. Amen. Galates 4. 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Alléluia. Amen. Tu diras de toi-même, mon temps est arrivé. Mon temps est accompli. Amen. Maintenant, Jésus-Christ est dans moi. Amen. Moi, je suis dans Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il a racheté mon corps charnel pour le vêtir d'un corps spirituel. Je serai appelé non enfant, mais fils de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'es plus un enfant, mais tu es maintenant fils de Dieu. Alléluia. Amen. Qui c'est qui t'a donné cette occasion de devenir fils de Dieu? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean 4. 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir qu'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit des dieux. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est des dieux. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue. Et qui maintenant est déjà dans le monde. Alléluia. Amen. Et Tananga est si écouté. Je sais maintenant celui qui est venu avant. Alléluia. Ils ont dit tant, il y a été Christ. Oazo tumbi samoli monanga lelo, azali moli monanzambe te. Alléluia. Amen. Mais mon temps est arrivé. Car la promesse s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Ce qui a été promis pour moi. Attendez jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Attendez jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne te prendre en charge. Aujourd'hui, je sais. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Amen. Puisqu'il vit en moi, dans ce corps charnel, il rendra mon corps spirituel. Alors, ce qui est spirituel, c'est ce qui combat les corps charnels. Alléluia. Amen. Ce qui est spirituel combat les rudiments de ce monde. Or, c'est lui qui est venu. Il nous amène où? À aimer les choses de ce monde. Jésus-Christ nous dira, n'aimez pas le monde. Moi, j'ai vaincu le monde. Car le monde que vous voyez n'est pas de moi. Alléluia. Amen. Ah, si j'étais à votre place. Amen. Si j'étais vraiment à votre place. Amen. J'allais dire une chose, j'allais dire amen. Amen. Je vais dire encore un grand amen. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu bon. Amen. Quand il fait une chose, il l'a fait pour que nous soyons dans la joie. Amen.
Alléluia. Amen. Ah, que Dieu soit loué. Amen. Zacharie 2, 8 à 11. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Alléluia. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Retenez ça. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Alléluia. Amen. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse le cri d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Amen. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ces jours-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça comprend quelque chose? Amen. Ça, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Alléluia. Amen. Que Dieu t'envoie aujourd'hui le Saint-Esprit. Que Dieu t'envoie aujourd'hui le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il dit, il habiterait avec toi. Il sera au milieu de toi. Si on te touche, donc on touche son œil. Alléluia. Amen. Donc personne ne peut te toucher. Amen. Alléluia. Amen. Puisque tu n'es plus enfant, mais tu es fils de Dieu. Celui qui touche à mon fils, donc il me touche. C'est lui qui connaît mon fils, donc il me connaît. Alléluia. Amen. Celui qui connaît le Père connaît aussi le fils. Mais celui qui ne connaît pas le Père ne connaîtra pas le fils. Celui qui ne connaîtra pas le fils ne connaîtra pas non plus le Père. Alléluia. Amen. Nous qui sommes là, enfants de Dieu, aujourd'hui je peux dire mon heure est arrivé. Je ne suis plus un enfant, mais un fils de Dieu. Alléluia. Amen. D'accord. Et je suis un enfant de Dieu. Non. Tu ne diras plus ça. Alléluia. Je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Je suis l'héritière du trône du roi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas fils, tu ne pourras jamais être héritier. Si tu n'es pas fille, tu ne pourras jamais être héritière. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous amène à comprendre toutes ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Viendra la gloire. Viendra la gloire comment? Parce que tu as compris que tu n'es plus un enfant. Tu es maintenant fils de Dieu ou fille de Dieu. Dès lors que tu comprends que tu n'es plus un enfant, tu es fils de Dieu, maintenant voici la gloire qui arrive. Voici le succès qui arrive. Voici la réussite qui arrive. Alléluia. Et c'est aussi au monde à mon roi. Alors là, Alléluia. Amen. Est-ce mon roi à Koufaranza? Est-ce mon roi à Zanga voiture? Est-ce mon roi à Zanga Moussara? Est-ce mon roi à Zanga Libala? Est-ce mon roi à Zanga Bobota? Est-ce mon roi à Zanga Koko Bilamba? Ah non! Toutes ces choses-là vous sont données par-dessus tout. Alléluia. Amen. Parce que vous allez fils. Tu n'es plus un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Alléluia. Amen.
Beta milolo 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 milolo. Beta milolo. Fille de Sion, je l'avais expliqué une fois. Il y a deux montagnes. La montagne de Sion et la montagne de Mont Golgotha. Alléluia. Alléluia. La montagne de la grâce et la montagne de la loi. Alléluia. Il est venu sous l'habit de la loi. C'est pour te dire, fille de la loi. Alléluia. Fille de Sion. Donc, fille de la loi. Réjouis-toi maintenant. Parce que lui, il est venu pour te libérer. Tu n'es plus esclave, mais tu es maintenant fils de Dieu. Tu es libéré maintenant à partir du moment où lui, il vient pour toi. Alléluia. Il n'est pas venu pour quelqu'un d'autre. Il est venu pour toi. Alléluia. Donc tu diras à ton Dieu maintenant, tu es venu pour moi. Je voudrais voir la gloire. Je voudrais voir quoi? Je voudrais voir quoi? Je voudrais voir. Je voudrais voir. La gloire. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois maintenant espérer de palper maintenant la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À partir de cet instant, nous changeons d'identité. Nous ne sommes plus enfants, mais nous sommes fils ou filles. Parce que nous sommes des héritiers du trône de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que Dieu nous bénisse. Amen. Alors que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Yeah, man.